Tu me cours, je passe à l'attaque. Ah, la belle au bois dormant, on se réveille. Arrête de rêver de moi parce que maintenant je suis là. Allez, debout. Tu as du boulot, mon vieux, tu es mon maître, d'accord, mais je te rappelle que tu as fait la charge ce matin. Maintenant, bon arrête. Arrête-moi, amour, lâche-moi. On essaie de m'avoir avec des câlins, on essaie de se défiler, je vois. On me prend à rebrousse-poil. Allez, au travail. Regarde, je fais du sport, je fais mon boulot de chat, service, canon! Bonjour. Garfield! Peter Capoulot, j'aime sa bonne soulo! Ça va aller, là, je crois que t'es assez propre. Il veut peut-être une serviette? Voilà, saveur foie de volaille. Délicieux. C'est ça, saveur foie de volaille. Après ce bon petit déj, je laisse tomber le régime chaminceur et je m'envoie un truc hyper calorique. Hey, Garfield, regarde, voilà le laitier. Oh, tu parles d'un scoop, normal. Il passe tous les jours, le laitier. Ah oui, mais s'il nous oubliait, s'il changeait d'itinéraire, s'il passait pas demain, allez, viens, il est juste de l'autre côté. Les chats, ça aime le lait, hein, tu le sais, ça. Non, non mais... moi, je reste ici. Pas question de quitter mon cul-de-sac pour des broutilles. T'es peut-être pas au courant, mais dehors, c'est galère et compagnie. Il s'en passe de drôle là-bas, et moi, j'y mets pas les pattes. D'abord, j'ai découvert que si on sait attendre, les choses finissent par arriver toutes seules. Voilà le laitier est arrivé. Il a mis ses souliers. T'as pas inventé le lait chaud. Tiens, tu veux pas jouer à l'astronaute? On peut. Ouais, j'adore quand on y joue. T'es trop génial en pilote de l'espace. Ah ben, je veux bien. Commandant Nerval, préparez-vous à grimper dans votre vaisseau spatial. Et le lait, alors? T'en auras pas besoin dans la stratosphère. Ah. Tu es en mission secrète. Ouais. Tu vas explorer la Voie lactée. Ouais, je veux ça bien. Ça m'éclate quand tu grimpes dans ta navette spatiale. La nation te remercie. Paré pour la mise à feu. Et à décoller. 3, 2, 1. Bon voyage. Regarde, tu vois. Regarde, mon pas. Je suis avec. Et hop, petit faisceau à domicile. Hé, je vois tout. Toi, ma maison. Oh, c'est pas du demi-écrémé. Je vois tout le quartier. Ouais, ouais, intéressant, très intéressant. Hé, j'ai un deuxième laitier qui arrive. Oh, ça, c'est encore plus intéressant. Je suis le bonheur. Mission accomplie, normal. Garfield, on recommence. Hé, où sont passés les autres? Retourne dans ta gouttière, chat obèse. Barre-toi. La ferme, Lucas. Organisme génétiquement menacé.
Cette fois, il y en a marre, je vais te filer une bonne pâtée. Moi, je suis pour une bonne pâtée quotidienne. Alors, Lucas, comment je vais te piéger aujourd'hui? Quoi? Par exemple, trois fois rien, ça fait combien? Ouais, je connais l'orthographe. Ou je te colle un truc brillant sous le museau. Ah, tu me prends pour qui? Je te prends pour un imbécile. Tu n'arriveras jamais à... Ah, bah, oh. Bah si, ça y est. Oh, encore? Je suis pas un canin de jardin. Yo, mec! Oh, je suis trop bon! Si j'arrive à retirer cette chaîne, je te préviens, t'es mort, le chat. Bah les pattes! Quand je me déchaîne, ça peut dégénérer sévère. J'adore l'odeur de pomme cannelle au petit matin. Ça sent la victoire. Je hais ce gros chat. Qu'il est doux de ne pas s'agiter quand d'autres le font pour vous. Une souris? Non merci, je suis repu. Attrape Garfield. T'as qu'à le faire, John. Faut toujours que ça se tabasse et qu'il y ait de la casse. La mort au rat, ils connaissent plus. Tiens, elle était là, ma balle. À quoi ça sert un chat qui ne chasse pas les souris? La chasse, c'est pas mon truc. Laisse-moi faire. Je sais que tu m'entends pas, John, mais essaie quand même un peu de m'écouter. Oui, qu'est-ce que tu viens fouiner dans la maison quand John est là? Excuse, vieux, c'est plus fort que moi. Quand il te voit, il me met la pression. T'as pas encore saisi ça? John a des cookies en noix de macadamia, c'est trop bon, faut bien que je mange, tu piges. Je pige, sauf que toi, il faudrait que tu piges que je suis censé te bouffer. Oh. Bravo, c'est bien. Tu vois que t'y arrives, gros paresseux. Tu es un bon chasseur quand tu veux. Non, mais est-ce que tu as une idée du goût que tu as? Oh, mon pote, pour moi non plus, c'était pas le voyage en première. Disparais, Louis, fais un shampoing antiparasite, je sais pas, moi, passe à la tondeuse et laisse-toi pousser la barbe. Cool, je te revaudrai ça, gars. Et maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimez votre chat? Ah, enfin, je retrouve mes petites habitudes. Donnez-lui exclusivement du Kibli 4 chaque jour. Tu es d'accord, poil d'Aristo? C'est dingue, ce chat est partout. On voit sa tête à la télé, dans les journaux, sur les t-shirts. Qui voudrait d'une telle médiatisation? Quoi de pire qu'une journée sans soleil? Salut mon vieux. Ouais, c'est ça, salut, après c'est politesse. Et t'as quoi dans le sac? N'oubliez pas, ça biche au poil. Eh ben pour moi, ça biche au poil quand je te vois, avec ce qui mélange de viande hachée, de ricotta, de sauce tomate et de pasta. Oh non, Garfield, ne t'avise pas d'y toucher. C'est pour moi. Ça se pourrait que j'y goûte un peu. Merci, Happy. Ainsi qu'à vous tous. Je m'appelle Christopher Mello. Et n'oubliez pas, ça biche au poil. C'est bon. Donne-moi du Benadryl. Donne-moi du Benadryl. Ouais. Ça petit poil, j'en ai assez. Tu as une réponse de l'autre chaîne? Non, mais c'est un chien qui cherche dans Bon Réveil New York. Ils veulent un chien? Toujours pareil, il faut qu'on me demande un chien alors que je me farcis un chat. Pourtant le concept a été bien perçu. Évidemment qu'il était bien perçu, cornichon. Les 50 ménagères qui ont vu le pilote ont adoré. Ici Walter G. Chapman qui vous parle en direct de la haie. Oh, pitié, revoilà la grosse tête. Des manifestants en colère s'en sont... Dire que tout le monde trouvait que j'étais le plus adorable des deux. J'étais aussi le plus doué. Et je suis né le premier, frérot. Et te voilà, en direct de la haie, pendant que je me retrouve avec cette saleté de chat allergène à animer une émission régionale. Genre l'antenne. Garfield! Tu as dévoré les 4 barquettes de lasagne? C'est pas ma faute, c'est la leur. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Aime-moi, gaffe-moi, ne me quitte pas. Allez, debout. Je t'emmène dans un endroit que tu adores, d'où tu ressors toujours avec la super pêche.
Laisse-moi deviner. Chuck E. Cheese. Oh, tu sais que c'est gentil, ça. Non? Wendy's? Croquette Tex-Mex? Non plus? Là, je sèche. Ou alors, Olive Garden, pour te faire plaisir. Les rares fois où je quitte mon cul-de-sac, c'est quand John m'emmène chez le veto. Ce qui arrive de plus en plus souvent, je trouve, ces temps-ci. Mais je suis pas sûr que ça soit pour moi. Je sais pas pourquoi on y court, mais lui doit savoir. Il n'y a rien qui cloche chez Garfield. Ce n'est qu'un chat pantouflard et grassouillet. Salut, tout va bien, maintenant on rentre. Il m'inquiète parfois. Je sais, oui. Wouh ! Oui, tu fais bien plus pour le bonheur de ton chat que bien des gens. Ce chat a un nom. C'est vrai, je suis pas personne. Bien, laissons Garfield se faire beau. Je souhaiterais te parler. Oh. Je la trouve trop belle. La pauvre banane, tu l'as dans la peau depuis le lycée. S'il te plaît, invite-la, qu'elle te dise non et qu'on reprenne le cours de mon existence. Il faut que je l'invite. Oh. Souhaite-moi bonne chance. Vas-y, fonce, féroce félin. Tu es le mec, le chef, le champion. Tu lui fais le grand jeu. Prends le taureau par les cornes. Oh, toi, mon perdant magnifique. Betty, si aujourd'hui on commençait par un massage suédois, une manucure et une pédicure, puis enveloppement d'algues, gommage du ventre, friction, épilation de la queue et pour finir, shiatsu. John, écoute, j'aimerais te demander un truc. C'est quelque chose que je ne demanderai pas aux autres hommes qui viennent chez moi. Je t'arrête, pardon. Je crois que je sais ce que tu vas me dire. Tu es sûr? Ça oui. Lise, ça fait longtemps que je voulais te demander la même chose, justement. Tu en es certain? Ça me paraît tellement... Absolument! Je n'ai pas le moindre doute. Je t'assure que c'est vrai. Lise, je suis prêt à risquer le coup. Je suis prêt à prendre... Merci. Oh, bien là, toi. Un chien? Oui, je suis prêt à prendre un chien. J'ai l'impression qu'il t'aime déjà. Salut. Oh, non, sacré petit coquin. Il s'appelle Odie. Il serait trop malheureux s'il devait vivre dans une cage. C'est de l'amour qu'il lui faut. Merci, merci mesdames et messieurs. Hey, hey. Non, ça le fait pas, ça le fait pas, pas dans mon quartier. Navré mon pote, je suis obligé de filer. Faut que je me sauve, public adoré. S'il vous plaît, restez derrière les barrières de sécurité. C'est super que vous soyez venus si nombreux, mais je suis attendu par un bipède dévoué, limite maladif. Non, ne pleurez pas, je sais ce que c'est, une vie sans amour, enfin... Vous savez. J'essaierai de repasser, hein, sinon peut-être une carte postale, on sait jamais. Allez, bye bye. Quelqu'un le connaît, ce gars-là? Bye tout le monde. Garfield quitte la salle. John, c'est vraiment gentil d'avoir dit oui tout de suite. Mais si tu veux, tu peux changer d'avis. Non. Non, 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 je le prends. Ça me plaît bien l'idée d'avoir un ami à quatre pattes qui veuille s'amuser avec moi. Tu es fantastique. Juste une question. Suis-je toujours aussi beau? La phase de transition est délicate pour un animal quand on a déjà un... John, je crois qu'on a un problème. Si tu veux, je peux faire en sorte que l'adoption se fasse en douceur. Il est assis à ma place. John. On pourrait tous sortir ensemble. John. Balade, concours canin, John. Des trucs de genre. Johnny. Tu me demandes de sortir avec toi? Hé, hey Johnny Boy, faut la tête penser. Équiper ta voiture d'une alarme, hein. Il y a un bâtard transgénique qui s'est introduit dans ta bagnole. Garfield, c'est Audi. On le ramène à la maison. Non. Tu voulais une fiancée, tu te retrouves avec un chien? Franchement, c'est le pompon. Oh, tu fais pitié. Non, 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 on ne ramène pas un chien chez nous. Hé, hey, ma place est devant. Tu veux ma photo, toi, gros plantique? Hé, hey John, 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 il est encore temps. Fais demi-tour avant qu'il voit là où on habite. Oh, oh, s'il te plaît, ramène-le, ce renifleur de pantalon, je t'en prie. Allez, Audi, descends. Voilà ta nouvelle maison. Viens, petit. Avant, tu m'avais moi, ta petite puce. Et maintenant, tu te retrouves avec un sac à puce. Tu vois là-bas. Hé, hey, t'as vu? John a ramené un chien chez toi. Je suis au courant, Nermal. Mais pourquoi il ramène un chien chez toi? Je peux pas te répondre, Nermal. Moi, je dis que c'est quand même curieux, ça, de prendre un chien alors qu'il y a déjà un chat à la maison. Laisse tomber, ça m'empêchera pas de digérer. Ce n'est qu'une bestiole écrasée sur le pare-brise de mon destin. Une bestiole?
un abruti de moucheron. Une bête puante et sotte dont je vais m'occuper avec enthousiasme. Allez, viens. Hé, hey, tu vois, je suis toujours sans chouchou. À plus, Garfield, et bonne chance avec tes bestioles. Viens. Ha ! Ça, c'est pour la pâté au foie de volaille, hein ? Représailles ! Ha 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 ! Oh, quel crétin ! Voilà ta nouvelle maison, Audi. Là-bas, c'est mon bureau. La télé est là. Et ça, c'est la cuisine. Tu veux aller voir ? Allez, va. Trotte. Tu veux pas lui dessiner un plan aussi ? Bon. Surtout, je garde mon calme. John est un homme à chat, pas un homme à chien. Ça va durer quoi ? 8, peut-être 10 jours maximum. Fantastique. Le gros plan de tic, il a des tocs. Ah, ce n'est qu'un mauvais rêve. Je ferme les yeux et quand je les rouvrirai, tout sera exactement comme avant. Ah ! Pas exactement. C'en est même loin. Oh, c'est pas vrai. Bonjour les microbes, s'il vous plaît, une piqûre de rappel. Quel cauchemar. J'ai besoin de me ressourcer en compagnie du meilleur ami de l'homme. La télévision. Non, 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 non. Attends, je te brief. Dans cette maison, il y a un règlement, le mien. Un, c'est mon fauteuil. Je te vois là, saliver à l'idée de t'y poser. Et c'est même pas la peine. Tu dégages, mon pote. Parfait. Intellectuellement, je crois que j'ai un réel avantage sur cette bestiole. Fiche-moi la paix. Oh, dis soit qui mal y pense. Va prendre ton vermifuge et taille la route, je suis occupé. Tu veux jouer ? D'accord, tu vas être mon nouvel astronaute, hein ? Graine dans le baquet et on va t'envoyer dans l'espace, t'as compris? C'est simple, hey, tiens, regarde, je te lance la balle dedans, tu suis la balle et tu sautes dans le baquet. Dépêche-toi, Audi. Tu fais ça, tu vas jusqu'au baquet et tu grimpes. Hop là, t'as vu? Allez, tu fais pareil que moi. Pas tout à l'heure. Oh, mais qui fait ça? Oh non! Houston, on a un problème. Audi, oh, ôte-toi de là. Ôte tes sales pattes de là, s'il te plaît. Bon, on va jouer à un autre jeu. Ça s'appelle Coup de griffe à cul-de-sac City. Juste de la patte gauche. Si j'avais les pattes plus longues, il y a longtemps que je t'aurais rattrapé. Attends une seconde. Moi, vite. Là, je te tiens, mon gros. Oh, Lucas. Elle est neuve, ta chaîne, vieux. Elle te va bien, hein? T'as l'air en forme. T'as fait de la gonflette, toi. Ça fait des années que j'attends ça. Des années normales ou des années chiens? Mais... Qu'est-ce que c'est? Ôte-toi de mes pattes, moustique. Qu'est-ce qui te prend de... Oh, Lucas, oui. Voici oh, Audi. Bon, Audi, Lucas. Non, Lucas, rends-moi service. Bouffe-le pour moi, s'il te plaît. Garfield, ça va? Oui, oui, je crois. Lucas ne va pas tarder à bouffer Audi. S'il n'avait pas été là, c'est toi que Lucas aurait croqué. C'est vrai qu'il t'a sauvé la vie. Audi, c'est un héros. Waouh! Parce que je me suis pas fait déchiqueter? Non, Audi est un imbécile jusqu'à nouvel ordre. Hé, hey, l'acarien, tu ferais mieux de te trouver un coin de moquette. Il me laisse pas dormir avec lui. Jamais. Audi, tu veux dormir avec moi? D'accord. Quoi? Allez, petit père. Gentil le chien. T'es gentil, toi. Tu veux dormir sur le lit? Oui, je veux. Oh oui. Alors là... D'accord, mais tu es bien sage. Je suis vert. Oh, oui, je Il y a de quoi en dégobiller ces lasagnes. Manu Garfield,
Je sens que la nuit va être bonne. Encore une journée pourrie. Oh, celui-là, quel lèche-botte. Oh. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. Woo! Hey, mama, go, baby. Get on the floor, mama. Non, descends. Du balai, chien de débile. Quand je dis non, à ton avis, ça veut dire quoi? Tu veux qu'on recommence? Boost! J'ai pas envie de jouer! Oh, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci de m'avoir sauvé des crocs de Lucas! Bon, merci de m'avoir sauvé des crocs de Lucas! Où j'en étais? Ah oui, j'en étais là. Oh, 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 ça c'est un coup en vache! On attaque par derrière, d'accord. Excusez-moi, vous n'auriez pas oublié quelque chose? Je l'ai trouvé, je me suis dit, c'est sûrement vous. J'adore le ping-pong. Ah, regarde. T'as vu ce que je sais faire? Trop fort pour toi? Vas-y, essaye. Allez, allez, mais me saute pas dessus, pépère. Oh, oh, qu'est-ce que tu fais là, non? J'appelle pas ça danser, moi. Tu t'es cassé le coccyx? Non, plutôt comme ça, regarde. Ça, tu sais faire. Eh, hey, tu crois pas que tu devrais changer ta prothèse? Suis-moi. Je promène le chien. C'est mou tout ça, mue-toi, bouge. Regarde, regarde ce que je sais faire, ça te déchire trop. Hey, t'aurais dû répéter dans le garage avant de te mesurer à un danseur de haut niveau, hein. Bouge. Hop, Henri, peut-être un truc un peu plus compliqué, tiens, te montre. Hop, saute puce. On règle ça dehors. Hey. Ah, t'as enfin trouvé le chemin. Hop, je me déhanche. Je prends ma revanche, je brûle les planches. Pas mal la chorégraphie, hein. Hé, hey, t'as vu Garfield, Didos avec Odie? Ils sont copains maintenant. Ah, quoi? Mais Odie, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, je me faisais un petit solo et il y a une saleté de chat qui s'est pointée. Vous avez vu ça, les gars? Oh, merci, hein, et hey, merci, hein. Oh, oh, les ennuis continuent. Ah, regardez-moi cet air idiot. Viens avec moi. Allez. Hé, hey, ah, tu le rends à la vétérinaire? On a rendez-vous avec lui. Tu le ramènes au chenil, c'est ça? Putain. Hein, c'est ça? Y a quelqu'un qui veut l'adopter? Hé, hey, Garfield, John emmène Odie quand il sort avec Liz et il te laisse tout seul. Je sais, Nermal. Ah oui, l'aventure. Et toi, tu restes là? Oui, et puis alors? Eh ben, tu dois la voir mauvaise. Que John te laisse, alors qu'il emmène Odie. On dirait que t'es plus son grand chat adoré. Dis donc, si on jouait à te greffer un cerveau, t'irais me chercher la perceuse? C'est trop triste. Ce pauvre John a complètement perdu la tête. Il devrait pourtant savoir que je lui suis indispensable. Tâchons d'être compréhensifs pour l'aider à traverser cette période critique. Attendez! Attendez! Vous m'avez oublié! Envoie vite! Moi, vite ralentissez! Je suis là! Oh, 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 je crois que je me suis claqué un tendon, là! Je suis là! Je suis là! Ne vous inquiétez pas! Oh, mon pauvre maison! Si vous êtes le maître de Kiki, je vous demanderai de venir le chercher. Merci beaucoup. Bon, avant que la présentation ne commence, n'oubliez pas d'aller visiter nos stands. Vous trouverez tout ce qui concerne le bien-être et le bonheur de votre petit compagnon. Oh. C'est ça, hein. Partez devant! Je vais vous rejoindre! Ce n'est qu'une commotion cérébrale! Ou une petite fracture du crâne. Tant pis, je passerai une matographie. Mauvais maître! Si maintenant, mesdames et messieurs les juges veulent bien prendre place pour la présentation... Ah, attention à la marche. C'est un bichon poil. M.
Mes très chers amis, bienvenue à notre concours canin. Non, je vais faire des petits efforts. À la maison, je vais essayer de m'intéresser à sa pelote de laine. Et je ronronnerai. Ah, je ronronnerai comme une Ferrari. Non, plutôt comme une Jaguar. Et je grimperai au rideau. C'est pas faire tout ça, cet imbécile de chien. Mais, des chiens? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez visé? Merci. Je vais mourir. Oh, cette fois, je vais mourir pour de bon. Excusez-moi, je peux passer par là? Personne d'autre sous la vache. Aïe, aïe, mon oreille. Messieurs, veuillez récupérer vos chiens. Reprenez-les en laisse, s'il vous plaît. Musique. Ah. Musique, abruti. C'est ça, ouais. Envoyez la musique, hein. Oh, hey, oh, c'est mon genou fragile, ça. Arrêtez. Ah, c'est pas le moment de me lâcher, mes petites pattes. Je vous excusez. Mesdames et messieurs, Audi. Excusez cet imprévu. C'est inadmissible. Audi, Audi. Audi. Viens là. Viens là, Audi. Tu veux un sucre, hein? Allez, petit père. Oula, oula, ça craint, là. Hein. Il faut un taxi. Madame, je suis un chat en danger. Prêtez-moi votre robe. Oh, allez. On démarre. Vas-y, mon grand bonbon rose. Oh, en route. Ouais, ouais, ouais. Par Russie, la sortie. Pardon. Il a du talent, ce petit. Hein? Oh, calot, mon joueur, il le rattrape. La vie d'un chat est en jeu. Merci, taxi. Madame, vous pouvez appeler la police. Oh, pitié. C'est bien fait pour moi, ça. Ça m'apprendra. Si je m'en sors, promets que j'arrête de lui chercher des bouts. Pousse, vous m'avez eu. Mais avant de faire mes adieux, je... Oh, ironie du sort! Regardez ce qui passe! Le facteur! Ils sont trop nuls! Un bel avenir à la télévision. Oh, merci, monsieur Chapman. Mais c'est mon petit chien. Je préfère qu'il me tienne compagnie. Vous rigolez? Non. Don tact. Voilà, ça c'est pour vous. Et gardez ceci, jeune homme, au cas où le remords vous tourmente. Surtout n'hésitez pas à m'appeler. Allô, allô, surtout ne coupez pas. Je veux être une star. D'accord. 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 Et on applaudit Audi. Quelle fin sensationnelle! Un spectacle, oui, qui ne l'était pas moins! Soyez. Notre vainqueur d'aujourd'hui, un fabuleux chien danseur nommé Audi! Ne quitte plus jamais ton cul-de-sac, 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 ne quitte plus. J'ai passé une bonne journée. Merci. Oh, tu veux entrer une minute? Non, je suis navrée. Oh, je le savais. Je suis désolée. Non, non, j'aimerais bien, mais j'ai un rendez-vous. Je dois assister à un confrère. Oh, tu opères? Dimanche, ça irait? Dimanche, c'est chouette. Dimanche, oui. Dimanche, là. D'accord. Bon, je... À dimanche. À dimanche. À dimanche. Pourquoi me faire ça à moi? J'étais le roi. Il n'y en avait que pour moi. Maintenant, il n'y en a que pour l'autre. Ce chien puant, égocentrique et débile. Cette espèce de rocket disco. Hmm.
Tu vas pas me faire ça, John. Tu vois pas qu'ils essaient de nous séparer. Tu me connais. Je suis bien trop feignant pour saccager ta maison. J'ai été provoqué, poussé à bout. Tu peux pas me jeter dehors comme une bête. S'il te plaît, John. Tu sais que j'ai peur du noir. Oh oui, t'es mignon. Avant tout ça, John m'adorait. Jour et nuit, il me chouchoutait. Et à toute heure, petit plat gourmand, je flémardais gentiment. Maintenant j'erre dans la nuit noire. Je suis seul avec mon cafard. J'ai le blues du chat qui déprime. Je pensais avoir ma maison, un paradis, c'était trop bon. Maintenant y'a l'autre et on me chasse. J'ai plus de John, j'ai plus ma place. J'ai le blues du chat. Laisse-moi tranquille. Tu as gagné. T'es dedans, toi, avec lui. T'es pas dehors, tout seul. Tenir compagnie, j'en suis tout chaviré. Mais... Et toi, t'es grave chaviré de la tête. Le chien fait rentrer le chat. Jabadabada, ils discutent pas. Un chiot a besoin d'un peu d'autorité de temps en temps, c'est vrai. Ça forme le caractère. Salut, Bookie, je t'ai manqué. Tu sais quoi? Demain, je serai sympa pour qu'il me pardonne. Je vais lui apprendre à boire dans la cuvette des WC. Pauvre Dee. Ce chat est un porc. Garfield, c'est un cochon. On ne laisse pas un chien coucher dehors. Et pourquoi? Parce que les chiens se sauvent. Finir tes lasagnes. Oh, qu'est-ce que je vois là? Tu es perdu, mon joli toutou. On va voir ce qu'on peut faire, hein? Oh,
Oh, je suis de bon poil ce matin. J'ai dormi comme un bon gros chat. Eh, beau ténébreux, y a quoi au petit-déj? Audi, où es-tu, mon chien? Reste zen, je crois qu'il devait aller camper. Audi! Ou alors, il est peut-être resté dormir chez Lucas. Enfin, j'en sais rien. Audi? Audi! Il est peut-être allé chercher le journal pour les voisins. Où il est, ce crétin de chien? Il est hors de question que je continue comme ça, Wendell. Il faudrait que j'aie un chien. C'est une excellente idée. Je sais que vous êtes seul, tout triste depuis votre divorce. Moi, votre ami, j'ai... Pour moi, c'est pour l'émission, grand niais. Si seulement je pouvais trouver un chien qui ait du talent. C'est mon frère Walter, avec ses récompenses, qui en serait malade. Comme Audi? Oui. Ça, c'était un chien doué. Oh oui, avec son petit air de ne pas y toucher, il était brillant. Audi, chien trouvé. Bonjour, c'est John. Je vous appelle pour savoir si Audi n'est pas chez vous. Je le trouve pas. Je m'appelle John Arbuckle et... J'ai perdu mon chien. J'ai cherché dans tout le quartier et vraiment, il n'y a pas moyen de le trouver. Je l'ai vu hier soir pour la dernière fois et... Si vous le voyez, merci de me rappeler. Bonjour, c'est John. C'est pour savoir si t'aurais pas vu Audi. Je pense qu'il s'est sauvé. Je lui ai donné son bain hier soir et j'ai oublié de lui remettre son collier. Tu sais, il est comme Garfield, il aime pas le sien. Il pèse environ 9 kilos, c'est un petit chien avec des oreilles tombantes toutes mignonnes. Ah, tu pourrais aller ouvrir. Ah, j'offre une récompense. Oui, oui, c'est ça. Ok, et il répond au nom de... Bonjour. Cool, le frigo n'est plus sous haute surveillance. Tu passais? On dîne ensemble, est-ce que tu te rappelles? Ouais. On dîne exact tous les deux. Ce soir. Et bien sûr. Est-ce que je peux entrer? Oui. Oui, oui, je t'en prie. Tu sais, Liz, j'ai une confession à te faire. C'est pas vraiment une confession, c'est plutôt une déclamation. Non, non, non. Non, c'est une... Je veux dire une déclaration. J'ai... J'adore enfin... quand tu fais ça. Quoi? Quand tu t'emberlificotes. C'est trop drôle. C'est pour ça que j'étais dingue de toi au lycée. Tu étais dingue de moi? Oui. Je t'ai trouvé chou, plutôt gentil. Rien à voir avec les autres crétins. Oh, c'est pas vrai. J'étais dingue de toi, moi aussi. Comme c'est marrant. Hey. À hurler de rire. Alors, c'est quoi cette confession, déclamation, déclaration? Je dois dire... que j'avais carrément oublié le dîner. Oh, c'est rien. On peut remettre ça un autre jour, si tu veux. Non, 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 c'est bien que tu sois là. Je prends mon blouson et on va au restaurant. Bon, maintenant, je fais quoi? Je fais quoi, au juste? Je fais quoi? Cette soirée, ça fait des années que j'en rêve. T'as qu'à lui dire la vérité, tu te sentiras mieux après. Comme ça, tu la verras plus. Et puis d'abord ça craint une vétoie domicile. Je vais pas sortir et faire comme si c'était rien passé. Oh, moi je pourrais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tu peux pas lui dire que l'autre a filé. Je pourrais lui dire. Non. Mais il faut que je lui dise. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Imbécile. Liz, pas ce soir, désolé. Pourquoi? Audi s'est enfui. Quoi? Oui, la nuit dernière, j'en suis tout remué. Je sais pas où il est, j'ai appelé partout, même la fourrière, mais... Il est introuvable. Pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ? Je croyais que tu venais me voir uniquement pour lui. Allons-y. Non, 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 je t'ai dit que j'avais pas la tête d'ailleurs. Non, John, je veux dire, allons-y, trouvons-le ensemble. Aïe, 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 je vois pas pourquoi on fait tout cinéma pour un chien qui est même plus là. C'est pas moi qui vais m'angoisser pour lui. Je crois que vous avez trouvé ce petit trésor. C'est mon chien, il s'appelle Audi. Audi? Comme ça s'appelle. Oh, Audi, oh mon petit père. Te voilà. Oh, 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 oui. Toi, hein? Extraordinaire. Enfin, je revis enfin. Dois-je me mettre à genoux? Oh,
Oh, un autographe me ferait tellement plaisir. Alors que cette charmante dame soit comblée. Non. Come on, boy. Non. C'est d'un ridicule. Hey, le gros, qu'est-ce que tu viens faire? Rien. Je cherche un peu de compagnie. Va voir ailleurs, crapule. Oui. Hey, oh, qu'est-ce que vous avez? On sait que tu détestais Audi. On sait que tu voulais qu'il disparaisse. Oh, doucement, hein. Moi, je voulais juste dormir dans mon lit. C'est pour cela que tu l'as expédié dans ce monde froid et cruel. On t'a vu quand tu l'as laissé dehors hier soir. Non, mais je rêve. Je pouvais pas deviner qu'il allait se tirer, moi. C'est qu'un chien débile, sans te vexer, Lucas. Quoi? C'est quand même pas ma faute. Hey, on sera les prochains sur sa liste. Oui. Il n'y a de place pour personne dans le monde de Garfield. Pas la peine d'en faire tout un plat. Bon, d'accord, j'ai compris. Je suis peut-être allé un peu fort pour marquer mon territoire, mais... Je le déteste pas, ce chien. Je crois que Happy vous a préparé une surprise vraiment exceptionnelle. Dites-nous tout, Happy. Ah, guten Morgen, Chris. Ya, ya, ya. Je travaille maintenant avec un oiseau rare et je me fais un plaisir de vous présenter à tous. Holy Schnitzel. D'un chat, mais c'est Audi! Et en pleine forme en plus! Sauf qu'il a l'air d'avoir trouvé un mode de vie alternatif. Il danse toujours comme un pied. En tout cas, ça dissipe le malentendu avec John et la bande. Je vais être le héros du quartier! Voilà un chien qui a du talent. Oh, je suis ravi qu'il vous plaise, Chris, car j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Happy Chapman et Audi Schnitzel s'apprêtent à monter à bord du New Amsterdam Limited à 15h à destination de New York City, où nous allons animer régulièrement une émission géniale pour Réveil New York! C'est son nom de famille, Schnitzel. Je te remercie pour hier. Tu as été... Franchement, tu as été génial. John, Audi passe à la télé en costume du roulier. Pardon, Garfield, tout à l'heure. Oui, oui, j'ai mis la récompense à... $200 et j'ai prévu de doubler le nombre d'affiches. Non, c'est la boulet, je crois, en culotte de peau. Désolé, Garfield, je suis occupé. Tu vas le louper. Je te rappellerai, Liz. Tu connais Garfield. C'est Garfield. Hey, est-ce qu'il faut que j'aboie, là, comme la scie des pêches? Sois sympa avec moi, waf, 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 allez vite! On va le louper! Maintenant, allez, grouille! Ça fiche au poil! Tu vas louper le spectacle! C'est le petit là, le petit dans le bras du gars! Oh. Garfield, je suis pas d'humeur. Moi je dis, c'est jamais une bonne idée quand tu éteins ma télé. Et là, elle est carrément nulle ton idée! Audi n'est pas prêt. Il a encore des mois de training intensif avant de pouvoir se produire. Happy, vous aviez promis de ne jamais recourir à ça. Ce collier, c'est inhumain. Ce collier est l'avenir du chien. Tu as quelque chose contre Wendell? Cette fois, nous allons voir si tu es intelligent. Happy Chapman, Happy Chapman. Tout à l'heure, Garfield. John, t'es lourd. T'es vraiment grave. Ah, y a qu'à chercher dans la boîte à idées. Oh, la boîte. Voyons voir. Ma boîte. Ma boîte. Y avait quelque chose dessus. Attends, Apple Crisp, pétales de maïs, Choco Pouf, Kiblicat. Oui, la voilà, la tour du télégraphe. C'est là qu'ils font l'émission de Happy Chapman. Oui, mais à quelle distance du cul-de-sac ça peut bien se trouver? À une patte et demie peut-être. Ah, c'est du gâteau, je peux le faire. Non, je peux pas. Le sport extrême, c'est pas pour moi. J'aurais pas dû me lancer sans casse-coude. Faut que je retourne faire le plein. Jenny, comment allez-vous? Bienvenue sur notre plateau. Le signal sonore indique que le bide est plein. Oh, je peux y arriver. Après ce carrefour, il y a un autre carrefour. Et puis un autre, encore un autre. D'un autre côté, je me demande s'il reste pas du gigot dans le frigo. Non, non, c'est pas le moment de s'en payer une tranche. C'est le moment de faire preuve de courage. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, le chat a quitté son cul-de-sac.
pied, ça use, ça use. 151 mètres à pied, ça use. Ça, c'est plus mon style. Hé, taxi! Mettez le turbo, chauffeur! Non, il n'a rien d'un chien de chasse. Oui, j'en suis sûr. Non, je ne veux pas d'un autre chien. Merci quand même. Garfield, à table! C'est ton plat préféré, des lasagnes! Garfield? Garfield? Garfield, où est-ce que tu es? Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer le bâtiment rose bonbon qui se trouve au dos de la boîte de Kibli Kat? C'est celui qui est juste à côté de l'arbre orange et bleu. Oh, celui-là, il est pas vraiment rose bonbonnade. Mmh. Y'a quelqu'un? Oh, oula, des rats. Des rats gros comme des rats. Hé là, qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis cerné ou quoi? Attendez, j'ai des potes dans le milieu de la vermine, moi, je... Ah, enfin, de la viande! C'est pas de la viande. La balance a fait ses calculs, c'est du 100% mauvaise graisse. Aucune valeur nutritionnelle. La mauvaise graisse, ça nous convient. Excusez-moi. Louis? Oui, c'est quoi ce plan-là? Louis, mon pote! Louis, viens pas te mêler de ça, j'ai 3000 petites bouches à nourrir! Toi, tu me lèches! Garfield, qu'est-ce que tu fous là? À part défendre ma peau, y a John qui a un chien qui s'est fait kidnapper par une star de la télé, alors il faut que j'aille à son secours. Mon pote, tu t'es mis grave dans la galère, on dirait! J'aimerais bien t'aider, mais je sais pas comment! Louis, je te rappelle que tu as une dette envers moi. Que tu c'est sais que les cookies aux noix de macadamia? Les noix de macadamia, je kiffe trop! Je me refuse! Excusez, face de rein! Le matou, c'est un pote à moi, alors vous vous cassez! Allez! Un gros petit chat comme ça qui nous passe juste à côté alors qu'il est tout dodu, c'est quand même incroyable! Peut-être la prochaine fois, les ratounets! Je vous souhaite bonne chance, il y a la peste ou la rage! Ne rajoute pas le gros matou! Garfield, faut pas que tu traînes comme ça en ville! C'est hyper risqué, il y a du danger partout, vieux, je te jure! Nid de poule, métro, fourrière! Dis, tu peux m'emmener jusqu'à la tour du télégraphe, s'il te plaît? Tu me files deux cookies et c'est bon! Mais il faut la jouer hyper discret, l'oreille passe! Qu'est-ce que t'entends par là? Yo, Garfield, t'es avec moi! Jamais j'aurais pensé tomber aussi bas, hein! Si j'avais pas ce carton sur la tête, là, ce serait la honte! Bon, stop! Attends! On est presque arrivé. Tu vois le trottoir en face? Quand je te donne le feu vert, tu fonces. Là-bas, à l'horizon? Allez, Garfield, on y va! Trace! Est-ce que je suis mort? Garfield, bouge pas! Bouge pas? Ah bah, pas de problème. Attends le signal pour traverser! Louis, c'est la horde sauvage! Viens, aide-moi! Comment je fais, moi, pour sortir de ce troupeau? Garfield! Garfield! Garfield, t'es où? T'es où, vieux? Descends de là! Je descendrai pas. Je préfère jouer à chat-perché jusqu'à la fin de mes jours, merci! Liz! Liz! Qu'est-ce qui t'arrive? Garfield a disparu, je le trouve plus. D'abord Audi, maintenant Garfield, c'est à cause de moi, je suis un mauvais maître. Qu'est-ce qui lui a pris? Je sais pas où il est passé, aide-moi, je peux pas vivre sans lui. Allons, Marc. C'est quand qu'on arrive Oh, tu me saoules là. On y est. Ah bon, on y est? Oui, pile poil devant. La tour du télégraphe dans toute sa splendeur. Elle est plus petite sur ma boîte. Faut que tu grimpes jusqu'en haut. Bonne chance, l'athlète. A plus, le vertical, c'est pas mon truc. Merci, t'es un pote. Ah ouais, encore un truc, Garfield. Quoi? Fais gaffe à la popo. Tu piges? Fais gaffe au caf-caf. Quoi? Le ramassage des animaux errants. Ah, la popo. Te laisse pas abattre. Merci, partner. Caf-caf. Non, alors pas par la porte. Le bain de foule, ça va, j'ai donné. L'animateur au saut du lit. Je fais tout pour perdre ces derniers 10 kilos.
Ok, rien à signaler. C'est bizarre que ça bloque à cet endroit. Il n'y a qu'à purger le système. Pardon, mais c'est quand même pas des boyaux. Une petite brise rafraîchissante. Hey. Génial, quelqu'un l'a retrouvé. 52 903 rue Euclide. Allons-y. Oh, jouer les héros, parce que c'est épuisant. Au fait, ça mange quand, les héros? Ça alors? C'est Audi? Je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. Depuis le début, on se bouffe le museau. Bon, parfois, faut reconnaître que t'es gonflant. Tu me piques tout mon espace. Et dans le genre lèche-botte, t'es pas mal non plus. Mais on a quand même un maître en commun. John, il serait perdu sans nous. Au fond, j'aime autant que tu reviennes, moi aussi. Bon, recule. Ça y est, let's go. Descends, Wendell. La fortune n'attend pas. Vous croyez qu'il est prêt pour l'audition? Eh bien, tu vas pouvoir juger par toi-même. Allez, le camion, en scène. Chers amis new-yorkais, je sens que vous allez bondir de joie en découvrant Audi. Et lui, il va bondir pour vous. Collier électrique, c'est inhumain. Oh, génial. Ce chien va foudroyer l'audimat. Bon. Ah, quand part notre train? Dans 2 heures. Bien. Pressons, pressons. Ce pauvre Oli, il va devoir affronter torture, mauvais traitement et humiliation. Hey, personne n'a le droit de maltraiter mon chien à part moi. Je te laisse pas tomber, sac à puce. On peut y aller, il y a de la vague. Super, ce spot sec comme à la télé. Vous savez quoi? J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce cauchemar. Une fois de plus, j'ai réussi au miracle à m'en sortir indemne, grâce aux lasagnes. J'ai dit une limousine, pas un taxi. Bonny, j'arrive. T'inquiète, petit père, je te sauverai. Arrête là. Tiens, tiens. Wow. Hey. Coucou, qu'est-ce que j'ai là? On dirait que c'est un chat pas immatriculé. Hey, oh, l'Irlandais, là, on est en train de commettre un crime derrière toi. Lâche-moi, j'ai une mission à accomplir, j'essaie de sauver un chien. Hey. Bienvenue chez nous, le rouge. Je me plaindrai en haut lieu. Et un petit nouveau. Pour brutalité policière. J'ai des papiers, moi. Bon, je les ai oubliés dans mon pelage d'hiver, c'est vrai.
Là, y a de la bulle. Y a de la bulle. Et hop, le gros. Qu'est-ce que ça veut dire, là, cette carte? Allez, ciao, Millet. Je trouve ça insultant. Je suis propre, moi. Me mettre du journal. Calme, les enfants. Vous méritez. Reprenez votre sieste. Une griffe entre les deux yeux. Rosa. Grave erreur de votre part. Moi, je voulais juste sauver un pote qui est pas très futé et qui avait besoin de mon aide. J'ai vraiment rien à faire là. Moi, j'ai un maître. Je suis pas un chat errant, hein. Je m'appelle John Arbuckle. Bonjour. C'est mon chien que vous avez trouvé, Audi. Oh, là, je crois que vous faites erreur. Non, j'ai vu l'affiche. Il est à moi, ce chien. Non, il est à Happy Chapman, jeune homme. Happy Chapman? Le monsieur au chat sur la chaîne 37, vous voyez? Il est passé l'autre jour et il l'a emmené. Et pour me dire merci, il m'a donné une photo dédicacée. Bon, eh bien, bonne journée. S'il vous plaît. Happy Chapman aurait Audi? Garfield aussi, tu crois? J'en sais rien. Faudrait qu'on vérifie. Swing low, sweet child. Ferme! Garde ton talent pour le prochain match. Coming for to carry me. Pourriez-vous, je vous prie, faire moins de vacarme? Garde! Passe les pas, ce matou. Tiens, poêche d'Aristo. Le chat d'Happy Chapman, ça alors, qu'est-ce que vous faites ici? En effet, je fus son chat. Jusqu'à ce que je perde tout intérêt à ses yeux et qu'il me remplace par un chien, m'abandonnant en ce triste lieu. Tous les êtres humains se ressemblent. Pas John, pas mon maître. Non, non, il sait pas quoi faire pour me faire plaisir. Il me supporte et il me nourrit. Et il vous offre des vacances dans cette charmante fourrière, c'est cela? Oui, mais pas pour longtemps, Poil d'Aristo. Je vous prierai de ne pas m'appeler ainsi. Apprenez que je ne m'appelle point Poil d'Aristo. Mon vrai nom est Sir Roland. Sir Roland? Encore un acte de cruauté caractéristique de Happy Chapman. Au départ, je suis un acteur shakespearien. Et désormais, je ne suis plus qu'une célébrité du câble, placardisée, avec un pseudonyme à mourir de honte. Alors ça va peut-être pas vous faire plaisir, là, d'apprendre que j'essaie de sauver votre remplaçant, Poil d'Aristo. Enfin, je veux dire, Roro. Happy et Audi partent en train pour New York dans moins de 2 heures. Ils seront les animateurs vedettes de l'émission Bon Réveil New York. Et une minute. J'ai bien entendu, là. T'es un greffier et t'essaies de sauver un chien. Oui, je sais, c'est un crime contre nature. Au début, je le trouvais casse-pattes. Il est apparu comme une verrue qu'on a envie de se faire enlever jusqu'au jour où on se rend compte que ça fait partie de vous. Je trouve cela absolument charmant. Excuse-moi de te dire ça, le gros moustachu, mais j'ai un peu de mal à te suivre. Laisse tomber, tu peux pas comprendre. C'est mon ami. Oh non, misère, dire que j'en suis arrivé là. Garde! Apportez-moi des lacets, je vous prie. Ah, bonjour. Bonjour. Vous êtes ponctuel, c'est bien. Vous deux, vous m'alignez 5 chats. Allez, allez, au boulot. Mais qu'est-ce qui se passe? Adoption. Il va y avoir un heureux gagnant. Alors, c'est un chat que vous cherchez? Dans l'eau, vous devriez trouver. Faites attention, voyons. Allez, traînez pas. Si je puis me permettre, vous avez les mains glacées. Et toi, le petit nouveau? C'est peut-être ton jour de chance. Allez, viens. T'es un gros lâche, je te permets pas. Les muscles, c'est plus lourd que la graisse, c'est tout. Ils sont bien morts. Oui. Allez, moi alors. Et hop là. Allez, allez, ensemble. Pattes sur la ligne. La queue en l'air. J'ai pas besoin d'être adopté. Moi, mon maître, il va venir me chercher. C'est lui là. Quelle idée. C'est moi qui préfère. C'est moi qui préfère. C'est moi qui préfère. Non, pas celui-là. Celui-là. Il ressemble à celui qu'on voit à la télé. Du calme, aucun. Elle veut l'autre. Désolé, l'ami. Bien, petit. Bonne chance, bien. La prochaine fois. Un peu de délicatesse, hein. Oh, vous me faites mal. Aïe. De toute façon, John, il va venir me chercher dans 5 minutes. Alors je m'en tape, moi. À mon signal, partez en courant, telle une vache folle. Quoi? Vous voulez sauver votre ami, n'est-ce pas? Je dois vraiment courir. Maintenant. Tu vas t'en manger du poil, Happy Chapman. Ha. Non, pas le bouton rouge. On applique le code bleu, les animaux s'évadent.
Halte là ! Stop ! Vous n'avez pas d'autorisation de sortie ! Il est passé par là. Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider ? Nous cherchons Happy Chapman. Il est en route pour la gare, il doit se rendre à New York. Mais vous avez un laissez-passer ou... Je suis obligé de vous demander de partir. Bon, merci. Excusez-moi ! Attention, s'il vous plaît. Les voyageurs sont informés que le New Amsterdam ne partira de la voie douce. Tout le monde ! À nous, bonjour messieurs. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Saumon, steak ou lasagne ? Steak. Je déteste les lasagnes. Bip bip ! Sean approche ! Bip bip ! Oh, poisse sous le tunnel ! Bip bip ! Oh, celle-là, il fallait que je la fasse. New Amsterdam Express, attention au départ, voie douce. Non ! Alors ! Hey, oh, stop ! Stop ! Et pas ! Et pas ! Oh, ce monstre de Chapman! Oh, je peux pas courir après un train! Oh! Hey, fais gaffe avec ton train morveux! Hé! Je sais! C'est comme un train électrique! En plus gros! Oh, trop tard! Non, nous allons l'arrêter! Viens! Quelque part dans ce coin-là, il doit bien y avoir une grande table! Avec des trains dessus. Allez, Ted, c'est l'heure de nos 10 minutes de pause. Terminé. Oh, lui, il a la tête de l'emploi. Ouais, et je pense que c'est par là qu'il a mis sa petite table. Non, monsieur, c'est impossible d'arrêter ce train. Madame, c'est sérieux, il faut l'arrêter maintenant. Mon chat et mon chat sont tous les deux dans ce train. Si Johnny arrive, moi aussi, je devrais y arriver. Bon, trouvons notre train. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Le Boston Express est dévié sur la voie 18. Le train pour Boston sera un petit peu en retard aujourd'hui. Mais et maintenant, si je fais ça ? Attention, brise de Seattle. Non, je m'en tape de Seattle. Attention, risque de collision. Madame, il n'y a qu'un seul train qui m'intéresse. Attendez, laissez-moi voir si je trouve mon pote. Le voilà, New Amsterdam. Attention, collision dans 20 secondes. Vous alors, on dirait ma mère. 10 secondes. Arrêtez-vous, ça va pas, stop, terminus. Stop, c'est n'importe quoi. Stop, 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 stop. Stop. Attention les petits, là on va reprendre au départ. Il faut absolument l'arrêter. Une seconde. A tout de suite, je te retrouve sur le quai Audi. Ça alors ? Le train s'est arrêté. Il revient en gare. Est-ce que nous sommes vraiment dans le bon train ? Bon, t'es où ? Je connais ce petit gémissement. Non, n'en rajoute pas. Tu vois, voilà où on se retrouve quand on réserve à la dernière minute. C'est sympa de te revoir. Amsterdam Limited fait une...
Monsieur, s'il vous plaît, non, non, monsieur, c'est mon avenir qui se carapate sous mon nez. Et il faut que... Mesdames et messieurs, gardez votre cadre. Vous retournez à votre table. Hé, oh! Non, mais il est où, celui-là? Pas ralentir. J'arrête pas de courir comme ça, moi, depuis ce matin. J'en ai plein les papates. Ça y est, maintenant, on est sain et sauf. On est libre. Oh, et on lui demande si ça te biche au poil. Où allez-vous comme ça? Sympa comme accessoire, hein, mais c'est pas trop mon look. Attends-nous! Amène-toi! Ça fait trois fois! On cherche la bagarre, si je comprends bien. Non, non. Tu croyais peut-être que tu pouvais échapper comme ça à Happy Chapman? Oh, ça sent pas bon. Ce n'est sûrement pas un crétin d'animal comme toi qui va me faire plier. Et si j'essayais de faire passer du 200 volts dans ce petit crâne de canard obtus? Chapman, la... ne touche pas à mon pâte. Oh, Boomer, on en est à quel rang? Content de te retrouver, gros-père. Nous venons en renfort. Sir Roland. Oui, lui-même. Bouge pas. Bon, voici les instructions. Les chats, sortez les griffes et griffez à cœur joie. Les chiens, mordez, ne mordiez pas. Et les rats, essayez de lui attacher ce joli collier autour du cou. Allez, canin, félin, vermine, tout le monde, quoi. À l'attaque! L'équipe reprend la main. Séparons-nous avant que la fourrière débarque. Ciao Garfield et reste zen. Plus gars. Yo, bonne chance vieux. Audi, ça te dérangerait de me passer la télécommande s'il te plaît? Merci. Même un chien a droit à son heure de gloire, Happy. Gentil le chat. Eh, hey, y a quoi aux infos aujourd'hui? Je vais te dire un truc, Happy. Pour toi, Audi n'est peut-être qu'un chien débile, stupide et malodorant, mais pour moi, il est tout ça et plus encore. C'est mon ami. Tu veux pas changer de chaîne, Audi? Il y a peut-être un match. T'as vu comme il est souple? Audi! Garfield! Audi! Audi! Où tu es? Sa biche au poil. Ça, c'est pour m'avoir volé mon chien et mon chat. Eh, hey, j'ai pas été volé, moi. J'ai volé à son secours, c'est pas pareil. Garfield, Audi. Alors, mon filou, vous m'avez manqué beaucoup, beaucoup. J'étais drôlement inquiet, moi. Vous me ferez plus coup là, tous les deux, hein. Je vais vous surveiller. Vous êtes mes meilleurs amis. Tu sais quoi, John? Toi, je t'adore. Non. Oh. Oui. Walter G. Chapman, le point sur l'information régionale du Midwest. Abby Shields, vous m'entendez? Avez-vous du nouveau, s'il vous plaît? Oui, Walter, les détails sont imprécis, mais il semble qu'un détraqué soit à l'origine des perturbations ferroviaires qui ont paralysé le réseau pendant plusieurs heures. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais attendez! Je crois que la police emmène le suspect au moment où je vous parle! C'est pas possible, mon crétin de frère, coupez! C'est vrai, c'est Happy Chapman! Il va faire entrer dans une voiture de police! Mais j'apprends à l'instant que seraient mêlés à cet incident un chien et un chat très héroïques. Garfield! Oh, il a sauvé Audi! Ça y est, c'est un héros! J'en suis la première étonnée. Garfield passe à la télé, c'est un héros! Garfield! Garfield est un héros!
ça fait plaisir à entendre. Ça paraît sincère, merci. Au fond de moi, j'ai toujours pensé que t'étais un héros. C'est cool d'avoir la reconnaissance de ses pairs. Jamais j'y serais arrivé sans toi. Je... Oui, tu... tu es vraiment une amie. John, j'ai envie d'être plus que ton amie. Ah bon? Oui. Oh, je ne sais pas où il trouve l'énergie. Marcher, tu peux remonter, petit père. Viens, hop, 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 hop. Sérieux, viens. Dégage ! Ah non, on est copains comme cochons parce que tous les deux, on adore la même chose, c'est-à-dire... Moi ! Wow, I feel good. I knew that I would now.
most fun.